l'entreprise de... Maghreb, Orient, Express, Ahla Bikoum, bienvenue en Tunisie. Hé, on me dit dans l'oreillette. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les arts peuvent être une formidable force pour l'évolution d'une collectivité. De ne pas se priver et de mettre ensemble tout plein de choses, plein de couleurs, ouais. Et de les rassembler dans un même objet. Oui, pour tout film, il y a un public qui accepte ce film et un public un peu plus critique. L'Égypte délirante de ce moment. Amira, بنتي. إذا ما أنت اللي عملت كده. Fatma au parapluie, ouais. C'est son surnom. C'est parce qu'elle collectionne des parapluies. C'est, bon, disons pas la folle du quartier, mais la femme excentrique du quartier. Soit que c'est plutôt Mayana qui l'utilise. Bon. Bien, ben merci à vous. Alors, c'était très swag hein, d'avoir participé à cette émission. Maghreb Orient Express à Beyrouth pour célébrer le mois de la francophonie. Des phrases très simples, minimales, mais avec, avec des sous-entendus. أتمنى لو تغني وصل صوتي لحبيبي أشواقي تنادي. On vit des expériences très fortes. Et je pense que cette journée sera une journée entre guillemets historique. Assalamu alaikum Mohamed, merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Tout le Qatar, vraiment la France est un pays important pour nous, au niveau culturel et au niveau émotionnel.